du ministère de la compassion des âmes, de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Notre spécialité, c'est la destruction des jeunes de la sorcellerie, qui est le mal cruel de l'Afrique. Nous avons une manière de régler pour la sorcellerie. À chaque homme de Dieu doit donner une onction. Il y a ce qu'on appelle le réma, ou de conduire un ministère. Et pour aider un sorcier, il faut d'abord faire passer le sorcier aux aveugles. C'est quand il parle que ça le libère. Pourquoi? Parce que c'est une société secrète. Ce qu'ils font de l'autre côté, ils n'arrivent pas à redire ça. Le fait même de dire ça publiquement, ça brise un peu leur pacte. C'est pour ça qu'il a écrit dans la parole de Dieu, dans Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 16, confessez-vous les péchés les uns les autres et priez pour les uns les autres pour que vous soyez guéris. Pour nous, nous présentons la sorcellerie comme une maladie. De toute façon, les vieilles personnes sont sorcières, les enfants sont sorciers. Ce que les vieilles personnes ont comme maladie, les enfants aussi ont ça. Souvent, quand on prend les enfants, on les fait passer aux aveugles, d'autres jugent ça très mal, maltraitant l'enfant. Mais la faute de la personne dit qu'elle tue. Il faut l'annuler, c'est qui tue, pour qu'elle soit vraiment utile à sa maison et à ses parents. Nous avons aidé beaucoup d'enfants comme ça à se débarrasser de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est comme une maladie, on peut injecter ça. Même les blancs qui pensent qu'ils n'ont pas droit à ça, ils étaient les premiers à combattre la sorcellerie au Moyen-Âge. Du 15 jusqu'au 16, 17e siècle, ils ont combattu la sorcellerie. Nous ne tuons pas les gens, nous ne les maltraitons pas d'ailleurs. Nous leur débarrassons de ce démon-là. Parce que quand tu as ce démon, la jeune fille, tout à l'heure, parlait, elle dit, quand ça vient chez moi, je garde. Mais il faut débarrasser l'esprit de la fille, pour chasser. Comment tu t'appelles? Je vous informe que ce n'est pas moi qui suis allé la chercher. C'est ses parents qui l'ont envoyé, parce qu'ici, c'est ça. Nous débarrassons les gens de la sorcellerie. Non, sa maman est venue avec elle parce qu'elle est sorcière. Elle, il faut qu'on la délivre. Tu le connais? La sorcellerie. Comment tu t'appelles? Qui t'a donné la sorcellerie? Ma grand-mère. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas. Galop ici. Comment t'as donné la sorcellerie? La nourriture. La nourriture. La nourriture. Elle m'a donné la sorcellerie. On a un meilleur foufou là. La viande tenait dans la sauce là. Elle a pris, qu'elle m'a donné. Elle dit de manger, elle dit c'est quoi? Elle dit de manger. Et puis elle mangeait. Maintenant quand elle mangeait, la nuit elle est venue me chercher. Maintenant quand elle est venue me chercher, elle est partie. Et puis il m'a... les gens sont là-bas. Là-bas où? Au moins, si vous le savez. La sorcellerie là. Les gens sont là-bas, ils m'ont accueilli bien. Comment t'as accueilli bien? Ils m'ont donné à soi. Maintenant, ils me sont assis. Ils m'ont dit bon arrivé. Ok. Et puis, ils m'ont donné l'eau. Ils m'ont donné le chien au pied à manger. Et puis, ils m'ont donné l'eau au pied à bu. Maintenant, quand ils bu. L'eau là, c'était quoi? L'eau, c'est rouge. L'eau, c'est du sang. Et puis, ils m'ont donné. Maintenant, est-ce que. Elle dit si elle est dans ces zones là, je fais. Maintenant, elle dit si elle me dit de partir faire ça, ça là, de partir faire, que je vais refuser. Mais tu vas refuser. Tu vas aller, c'est pas petit pour toi, c'est pas solide, tu allais faire là-bas. Donc tu as tué. Combien de personnes? Tu as tué combien? C'est 16 personnes. Qui t'a tué? Donne-moi le nom d'une personne que tu as tuée. Le nom d'une personne, j'avais Jean. Le nom d'une personne qui a tué première. Il avait Jean. Mais où? Il était où? Il était au village là-bas. Dans notre famille. Comment tu t'es arrangé parler de Dieu? Il tombait. Maintenant, il me dit, aujourd'hui, on va à vous. Comme il me dit, comme il perd. Et puis, il dit, il me dans la maison, il tombait. Donc, tu t'es transformé en épervier. Et puis, tu es rentré dans la maison pendant qu'il dormait. Ok. Maintenant, quand tu es arrivé dans la maison, mais il est devenu long, comme il était. Maintenant, il a appelé son nom.
Il a vu Jean vient. Et puis son âme est venue. Et puis il a fait son âme en cabri. En cabri. Et puis il a fait partir lui. On a quand il va faire lui. Alors, ma gamme elle a tué. Elle a tué. Et puis la main, et puis moi, elle m'a donné la tête. Elle a le cœur. Et ça m'a donné. Et puis elle a mangé. Maintenant, elle m'a envoyé encore, elle va vite tuer encore. Deuxième personne, c'est Fabrice. Ce gars fait la même chose, la première même chose. Mais explique encore. Et puis, c'est pour la t'écouter. Et puis, il m'a dit, on est perdu encore. Et puis, il m'a dit, on est dans le besoin. Et puis, c'est devenu blanc encore. Et puis, maintenant, qu'est-ce que c'est donné là? Il a peiné son âme. Et puis son âme est venue. Mm-hmm. Et puis les gens ont on cabri encore plus. Les matières, tout par terre. Il y a une soupe de cabri. Hein? Mm-hmm. Pour les gens qui ont tué, c'est comment il a été fait. Mm-hmm. Et puis maintenant, on est parti. Il est parti à lui. On a gâté parce que ma femme a tué. Tu ne gâtes pas. Hein? Tu n'as pas gâté. Gâté. Mm-hmm. Quels sont les gens que tu as gâtés? Il y a gâteau et les gens aussi. Maintenant, elle dit que la femme de mon grand-père, là, elle fait un restaurant. Elle dit que les chiens de nourriture, et puis ça va marcher. Mm-hmm. Et puis elle fait ça, puis elle est juste, ça marche, puis elle est juste, ça marche pas. Non, ça marche pas, ta chienne, mais pas ça marche. C'est elle qui a dit de faire ça. Ah, je te pose des questions. Oui, je fais ça. Donc ça veut dire que quand on va les maquiner, on doit finir. Allez, maïs, j'arrive. Je dois maquiner. Et puis elle est juste en marche, papi. Elle est juste en arme, papi. Elle est juste en arme. Comment tu fais? C'est toi qui pilotes ça, c'est ça? Oui. Comment tu t'arranges? Pour ne pas que le maquin marche. Le jour où tu es contente, tu vas chier. Le jour où tu es contente, ça marche. Ah, je fais exprès. Et puis le jeu n'est pas content, ça ne marche pas. Ah, le jeu n'est pas content, ça ne marche pas. Ok. Le jeu n'est pas content, il va chier dans toutes les sauces. Et puis, maintenant, elle dit, c'est fait. Maintenant, elle dit que de porter les gens. Donc tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Comment ça se manifeste? Quand tu parles, même comment tu as ce que ça manifeste? Mon pouvoir. Mmh. C'est un oiseau à la main de moi. Un oiseau à la main en toi. Mmh, donc, c'est un oiseau à mon pouvoir. Mmh. Et puis, elle dit de gâter les gens. Elle dit de gâter les gens. Maintenant, sa fille, elle a une fille à la main. Elle va à l'école. Sa fille dit qu'elle est crainte. Elle a eu sa bague au jour. Cette année, elle dit qu'elle est rentrée à l'école aussi. Donc, elle a pris pied de sa fille. Et puis, elle a fait chose. Pied de coq. Elle a fait bois. Pour couper viande. Pour couper viande là. Donc, il a plaît là-dessus. Donc, ce pied-là, ça l'a fait mal. Il a petit péché qui l'a. Elle est où la fille? La fille, elle a tout bavoué. Elle a chez sa maman. Donc il prend le pied de la fille pour couper la viande. Bah, 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 c'est ça? Elle fait quoi encore? Et puis, elle dit, mon petit frère, il avait été là, dans le dernier. Elle dit que tu prends la vie de l'enfant, que l'enfant, s'il grandit demain, il va devenir riche. Donc elle dit, tu prends la vie de l'enfant, tu mets ça dans la poubelle. Ah, d'accord. Ou on jette les ordures. Vous comprenez, non? Donc la prise est tout ça, c'est la chance de jeter dans les ordures. C'est ça? Mm-hmm. C'est toi qui as pris ça? C'est elle qui t'a envoyé prendre. C'est elle qui m'a envoyé prendre. Puis tu as pris. Et puis, tu t'allais gêner dans les ordures. Mm-hmm. Maintenant, l'enfant est né bizarre.
L'enfant, chaque jour, il tombe malade. Chaque jour, il tombe malade, mais chaque année, il n'a pas encore passé à l'école. Il a 4 mois. Ils ont eu son étoile. Ils ont eu son étoile. Homme de Jésus. Donc, il a 4 mois. Maintenant, elle dit que. La nuit, il me fait un garçon. Et puis, il a couché à maman. Et donc, quand la nuit arrive. Ce phénomène, ça prise partout. Quand la nuit arrive, il devient un garçon. Et puis, il couche à maman. Comment tu fais? Je lui mets les pieds là. Faut faire quoi? Et donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il meurt. Ça veut dire quoi? Qui sort devant toi? Non, mais c'est la musique. T'assois devant toi. Les gens qui pensent qu'ils connaissent le monde. Voilà, le monde blanc. T'assois devant toi. C'est à quelle forme? Banane. Comment ça y est? C'est ta chose? Ça prend quelle forme? La grande forme de mon bras. Mon bras. Mon bras. Mon bras. Mon bras ici. Si ça m'en prend ça contre toi, t'as pas mouru. Il te passe à plus d'autres personnes. Tu t'as fait quoi encore? Eh bien, elle dit que de ma petite soeur. Depuis que tu es dans la sorcellerie. Non, elle est prison aussi. Où elle est? On va dire que ça va. Mais c'est comme ça. Si un sorcier va initier d'autres personnes, ce n'est pas qu'il soit seul dans la maison. Elle t'a donné sorcellerie. Oui. Hmm? Oui. Tu sais que tu es sorcier. Oui. Vous mangez ensemble. Oui. Hmm. Comment vous arrangez pour aller manger? Attends. Tu sais que tu es sorcier. Oui. Donc vous êtes la même confrérie. Oui. Vous mangez ensemble. Oui. Toi, t'as déjà tué. Oui. T'as déjà tué. Oui. T'as tué combien? 11 personnes. Tu fais comment pour tuer? Tu te transformes en hibou. Pour tuer. Quand tu tues, la t'envoies et vous mangez ensemble. Il donne ça, il la donne, il perd dans ma grand-mère. Tu la donnes, et perd dans ça ta grand-mère. Ma grand-mère l'envoie, elle m'envoie. Elle t'envoie, puis tu dis, hey, mon élève, allez, tu vas prendre la boutique. Il n'y a pas hibou là-bas. Tu transformes en. Toi, tu fais comment? Non, la nuit, quand tu dors, tu sors de ton corps. Pendant que les gens dorment, toi, tu sors de ton corps. Qui eux? Comment ils te cherchent? Toi, tu es déjà patron, comment tu dis? Toi, tu dis, 11 personnes, quelqu'un vient te chercher pour voir. Tu es attendu, mais comment? Vous rassemblez là-bas pour manger, c'est pas ça? Oui. Comment elle t'a initié? Comment explique? On mange ensemble. Et puis elle vient dans la sauce là. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qui vient. Elle dit, on ne met pas bien. Et ça m'a donné de manger. Et ça, puis vient et puis elle mange. C'est ça, je savais pas, c'est quelqu'un qui vient. Et ça, la nuit, elle est venue me chercher. Et puis elle est venue me chercher. Elle dit que tout ce qu'elle a dit là, je fais ci, je fais pas mes tout. Et ça, tout ce qu'elle a dit là, c'était mon fait. Et ça, quand j'ai passé, tu es l'homme. Ce sont tes enfants? Venez. Viens ici. Comment tu les as envoyés ici? Qu'est-ce que. Je partais à la prière avec la femme de leur grand-père. Il m'a dit à la femme de la France, son sorcier. J'ai parlé à leur grand-père. Il faut bien parler. À chaque moment, c'est les mêmes choses qui se répètent. Quand on va avoir les mêmes choses qui se répètent. Donc, si tu ne te lèves pas,
Peut-être tu appelles tes enfants ou même toi-même, tu vas mourir. Je te dis hier, je suis allée voir. Elle-même, son directeur. C'est lui qui m'a donné votre nom. Maintenant, le monsieur qui m'a fait le matin. Je suis allée voir. Vous êtes venu dans le cabut pour faire quoi? Pour la divorce. Voilà, c'est pour dire que ce n'est pas le prophète. Elle l'a constaté. Ici, c'est un cabinet d'écoute de délivrance. Nous prenons le temps d'écouter ceux qui sont victimes de sorcellerie et même les sorciers, dans le but de pouvoir les débarrasser de cette maladie qu'on appelle la sorcellerie. Donc, le prophète n'est pas allé faire une maltraitance d'enfants. Le prophète ne fait pas quelque chose du tout. Nous débarrassons les gens de la sorcellerie. Elles ont reconnu qu'elles sont sorcières, puisqu'on est en train de faire des aveux. Devant toi, elles ont reconnu. D'accord. Elles sont déjà en train de faire. Comme tu viens à peine d'arriver, elles ont commencé à faire des aveux. Tu vas t'asseoir. Et tu vas écouter. Tu veux qu'elle soit délivrée? Elles ne se sont pas délivrées, on te mangeait avec Brala. Sauce, ketchup, Brala. Donc toi, tu as tué. Donne-moi le nom des deux personnes que tu as tuées. Elle s'appelle. Comment tu fais pour les tuer? Je te transforme à Ibo. Tu fais comment pour te transformer? Tu dis une parole, tu fais quoi pour te transformer? Je dis une parole. Tu dis quoi? Je dis, si vous venez. Mais ça vient. Elle dit qu'elle couche avec toi. Elle me dit ça. Oui, elle dit qu'elle a mis un crapaud dans ton ventre. Qui sont les mots du ventre? Ton baron. Ton baron. C'est moi, du mal dans ton ventre. Pourquoi tu m'apprêtes ta maman? Parle fort, hein? Ma grand-mère dit de la maîtresse. Mais ta grand-mère te dit là, pourquoi tu ne dis pas aux gens de venir te délivrer? Quand tu as vu la chose, pourquoi tu n'as pas approché ta maman pour dire, ah, on m'a initié à la sorcellerie, il faudrait qu'on me débarrasse de la sorcellerie. Et puis tu vois ta maman souffrir. Sans rien faire, tu regardes ta propre main souffrir. Pourquoi? Tu l'aimes bien? Oui. Et puis tu peux l'avoir souffert. À part le crapaud, et tout ce que tu as mis en elle, tu as gâté quoi de sa vie? C'est son argent. Son argent. Son argent. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Non, la réponse. Faites de commerce? Oui. Son argent ne reste pas. C'est ça? Ton argent ne reste pas. Je vois parce que quand c'est quand je. Comme elles sont arrivées, moi je suis arrivée, je pleure ça, ma dernière fois. Ils sont trop loin. Le dernier, c'est une situation. Mais papa, il fait qu'il est où? C'est le jusqu'à au collège, à Panda. Ah, d'accord. Il sait que vous l'avez envoyé ici? Bon, il y a une nuit. Quand j'ai parlé à un grand-père, c'est fâché, il dit les enfants ont parlé, qu'elles sont en train de parler, moi je dis les enfants sont embêtés. Donc il a appelé les papas. Il a dit, ah, moi je lui avais dit à ta maman qu'elle n'a pas laissé les enfants. Il m'a dit, si je suis femme, d'aller m'arrêter devant sa mère. Et là, grand-père aussi m'a dit, si moi je ne laisse pas les enfants, je vais avoir les enfants au village de Dieu. Mais si moi je ne laisse pas les enfants, peut-être que je prends les enfants cadeau. Et sa femme m'a dit, ah, si c'est comme ça, très tôt le matin, pas que les enfants quittent la cour avec eux. Elle est partie sur Abidjan. Donc elle partait à Abidjan, c'est elle qui prend les enfants. C'est avec les amitiés là? Non, non. Okay. C'est qu'elle est suivie à Abidjan. Et c'est pas matin, elle ne peut plus parler chez le monsieur. Donc le mois passé, il y avait 150 000 qui me promet. Il me suis dit que comme les vacances sont arrivées, il y a été un peu tout le monde. Et il y avait eu 5 000 pour payer un peu dans le papier. Bon, le reste d'argent, je n'ai pas trop fait. Je n'ai rien payé, même un morceau de pain, il n'a pas fait comme ça. Il fait commerce, il vendait leur viande importée. Et je viens de vendre les calculs d'argent. C'est bien. Le crédit est tombé sur moi, il semble très facile à laisser les gens. Il vendait chaussures, si c'était une chose. Il est mieux. Elle dit que c'est
Et quand même une séparation entre toi et le docteur. Oui, ça fait ça. C'est la grand-mère qui a demandé. Je ne vous sais pas. Moi-même, l'ancien sort, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La plus petite, elle, c'est la grand-mère qui l'a envoyé. Mais vous savez tout ça, et vous n'êtes plus, vous ne parlez pas de ça avec maman. Pourquoi? À vous, je dis non. Allez, vous grandir. On ne peut pas vous dire, puis vous voyez votre maman mourir, vous choisissez quoi? Ah, puis tu n'as pas dit? Qu'est-ce que toi tu as gâché? Tu as fait paradis, t'as paradis, toi, ta maman? Mm. Comment t'as arrangé? Elle a donné le médicament demain soir, quoi? Devant la rentrée de la cour. Elle m'a demandé rentrer, mais elle est sortie là. Arrête par de la banque, elle rentre, mais elle est sortie là. Elle va être paralysée. Et ça, elle a donné le médicament. Et ça, elle a dit, puis elle a dit, elle a donné le médicament. Et elle a dit, non, elle est rentrée en bas. Maintenant, quand maman a manqué là, elle est paralysée. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on me dise. À part la paralysie que tu as fait avant, tu as fait quoi encore? Je veux la vie. Tu as tué. Comment tu fais? Il te transforme à nouveau. Il te transforme à nouveau. C'est ça? Oui. Prends l'enfant. Je vois quelque chose dans le vent là. Prends l'enfant. Là, votre situation est très, très, très sérieuse. Ok. Sera désormais le temple de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que tout genou fléchira devant le nom de celui-là et l'agneau de Dieu. Tu fléchis genou devant Jésus. Tu fléchis genou devant Jésus. Oui. Tu fléchis genou maintenant. Maintenant. Tu fléchis genou maintenant. Devant la puissance de Dieu. Si. Si. Tu fléchiras genoux devant Jésus-Christ. Tu fléchiras genoux devant. Oui, tu fléchiras genoux devant Jésus.
maintenant. Si. Réfléchis chez nous maintenant. Dans la puissance de Jésus. Vous savez que les démons ne sont pas humbles. Hein? Ils ne sont pas humbles. Ils sont humiliés. Mais si, il va s'humilier. Il va reconnaître la souveraineté de Jésus-Christ. Il te mettra un genou devant la puissance de Jésus-Christ. Si. Avec toutes sortes de difficultés, il dit, mais Jésus-Christ, moi, oui, je te mettrai un genou devant Jésus. Parce qu'ils savent que l'humilité précède la gloire. Ils savent ça. En s'humiliant, il y a la puissance et une force de Dieu dedans. Ouais. Tu vas t'humilier devant Jésus-Christ, tu te mettras en genou devant la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Si, mets-toi en genou devant Jésus, parce que la Bible déclare que tout genou fléchira. Oui, mets-toi en genou. Si, tu te mettras en genou. C'est difficile pour les démons de reconnaître la puissance de Jésus. Si tu te mettais à genoux devant Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui t'a vaincu à la croix. Le feu sur toi. Oui, le feu sur toi. 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 Oui, le feu. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance? Allez.
de la libérer, de la faire empêcher du ainsi. Je te commande de la libérer. Je te commande de la libérer. Au nom de Jésus. Je te commande de la libérer. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pars. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte. Au nom de Jésus. Quitte. Quitte. Quitte sa vie. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va. Quitte sa vie. Dégage. Au nom de Jésus. Dégage. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Démon. Va. Au nom de Jésus. Chance les ténèbres. Au nom. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pars. Maintenant même. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Maintenant. Libère-la. Au nom de Jésus. Et maintenant. Libère-la. Tu élèves dans des libraires ici. Pars maintenant. Pars et maintenant. Lâche-la. Poursuis bien ce que je fais. Libère-la. Tu vas partir. Tu vas partir. Avec tout ce que tu as mis dans son ventre, avec tout ce que tu as implanté dans sa vie. Pas avec. Pas avec. Oui, va-t'en. Feu. Feu. Allez. L'Esprit de Dieu te libère maintenant. La puissance de Jésus-Christ te délivre maintenant même. La puissance de mon Dieu te libère maintenant. Sors. Allez. Quitte. 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 Feu. 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 Comment? Feu. Nom de Jésus. Feu. Allez. Allez. Sors. Au travers de sa bouche, il libère ton être au nom de Jésus. La puissance de Jésus te déloge maintenant. Allez. 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 Sors. Feu. Ça va vomir pour la ramener ici. Comment est-ce que moi, c'est mon Dieu? L'esprit là, c'est mon Dieu. Voilà, c'est ça. Il faut avoir la force, la capacité de détecter ce qui va se passer. C'est ça le prophète. Il savait qu'elle allait vomir, ça allait salir. Je vais demander à les vomir. C'est ça le prophétique. Comment ça se manifeste? On est en force. Quitte ta vie. Débarrasser le sorcier de l'esprit de la sorcellerie. Si elle a parlé, que le démon n'est pas sorti, il demeure sorcier, malgré les appels. Et c'est là que les gens n'arrivent pas. Les gens parlent, il est sorcier, mais ils n'ont pas la capacité de délivrer les gens. Et les gens, ils parlent, mais ils ne peuvent pas délivrer. Mais si le sorcier a parlé, voilà, c'est délivré, vous savez. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'endroit où nous délivrons les sorciers. Nous ne les battrons pas, nous ne le frappons pas, les sorciers, mais nous le délivrons. Pas. Au nom de Jésus. Quitte. Maintenant. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu es dans ce corps, manifeste-toi. Va. Rampe comme un serpent et quitte le corps. Rampe comme un serpent. Rampe comme un serpent. Serpent, quitte ce corps. Je t'envoie dans la forêt. Rends, rends, rends. Feu sur toi. Feu.
Le feu sur toi. Le feu, tu vas rentrer comme un serpent qui quitter sa vie. Quand vous avez le pouvoir de Jésus-Christ, vous pouvez tout faire avec les esprits. Vous êtes maître des esprits. Parce que la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le diable. Le diable ne doit pas être le maître de votre vie. Si vous êtes quelque part, vous maîtrisez l'environnement. Amen. Parce que vous avez Jésus. C'est ça qu'on voit le Jésus-Christ. Allez, tu rentres comme un serpent, tu quittes sa vie. Tu vas partir. C'est un ordre. Tu m'attends? Va. Va-t'en. Au nom de Jésus. C'est un ordre. C'est un ordre. Va. Va. Esprit de la sorcellerie. Quitte sa vie. Et maintenant, la puissance de Dieu te déloge. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie et maintenant, pars. Pars. Va-t'en. Feu! Transforme en serpent pour piquer sa victime. Donc l'esprit est là. Allez, va. Va-t'en. Va-t'en. Oui, va. Va. Va-t'en. Au nom de Jésus, lâche sa vie. Lâche sa vie. Libère-la maintenant. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu vas partir. Tu vas libérer sa vie et maintenant. Fais sur toi. Fais. Au nom de Jésus. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres. Puissant de la sorcellerie, viens que je prie pour toi. Puissant de la sorcellerie, lâche-la. Lâche-la. Tu vas partir, lâche-la. Va-t'en. Va-t'en. Va. Feu. Allez. Quitte sa vie. Quitte sa vie. C'est un arbre. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie et maintenant. Tu vas quitter sa vie et maintenant. Tu vas quitter sa vie. Quitte sa vie. Libère-la. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la.
présence des esprits de son corps. Tu nous dis la présence des ténèbres. Reçois, dans le nom de Jésus, ta délivrance. Maintenant, la puissance de Jésus te délivre maintenant. La puissance de Dieu te guérit. Maintenant. Maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Et maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Jésus te guérit maintenant. Elle te libère maintenant la puissance de Dieu. Te guérit. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. La puissance est dans le nom de Jésus. L'esprit te quitte, ce démon te lâche. Ces esprits abandonnent ce ventre. Vous abandonnez sa vie maintenant. Je vous commande de la lâcher. Et maintenant, lâchez. C'est un ange. Merci de guérir. Et merci de la délivrer. Au nom de Jésus. Amen. Lâchez-la. Guérir au nom de Jésus. Vous la lâchez maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Allez. Allez-y. Je vous commande de partir maintenant. Partez et maintenant. Partez et maintenant. Au nom de Jésus. Allez-y. 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 Vite, 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 vite. Bah. Feu. Le feu. Le feu. Le feu sur vous. Le feu consume vos œuvres dans ce corps. Le feu consume vos œuvres dans ce corps. Le feu consume vos œuvres. Allez, quittez sa vie. Allez, quittez sa vie. Lâchez-la. Lâchez-la maintenant. Libérez-la maintenant. Au nom de Jésus. Libérez-la maintenant. Au nom de Jésus. Lâchez-la maintenant. Au nom de Jésus. Lâchez-la maintenant. Dans le nom de Jésus. Lâchez-la maintenant dans le nom de Jésus. Vous libérez son âme. Vous libérez son esprit. Vous libérez tout son être. Maintenant, dans le nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Thank you.